Alors ici, je vais modifier le loup. Donc j'ouvre le groupe, j'active le travail, en cliquant sur lui, j'active le travail sur le groupe. Sur l'objet dynamique qui contient le loup. OK. J'ouvre le groupe, j'active le travail sur l'objet dynamique qui contient le loup. Et je vais mettre un calque de réglage de type courbe qui va modifier le loup. OK, voyez ce qui se passe? Ça modifie tout. Tout ce qui se trouve en dessous du calque de réglage est modifié. Donc le décor qui est là tout en bas, il est modifié aussi. Est-ce que vous savez comment faire pour que le calque de réglage que je viens de mettre là au-dessus de l'objet dynamique, pour qu'il n'agisse que sur l'objet dynamique? On aurait pu le mettre dedans, mais ce n'est pas pratique. Parce que quand je modifie la couleur du loup, j'ai envie de le faire en voyant le décor autour. En dessous? Non, en dessous, il va modifier les ombres et le décor d'en dessous. Vous voyez, le loup n'est plus modifié si je le mets en dessous, mais le décor qui est là tout en dessous est toujours modifié. Bon, ben, je vous montre. Il doit être au-dessus, en fait. Hein. C'est une des techniques les plus intéressantes dans Photoshop, ça. Vous enfoncez la touche Alt et sans appuyer sur le bouton de la souris, vous faites voyager le pointeur entre le calque de réglage et le calque du loup. Et quand vous avez cette icône spéciale, sans bouger la souris, vous cliquez. Pourquoi je dis sans bouger la souris? Parce que si vous bougez la souris en enfonçant la touche Alt, ça va faire une copie du calque. Je veux juste faire ceci. Écréter. Dire que le calque ici n'agit que sur celui qui est juste en dessous de lui. Et voilà. Voilà, et donc là, on remarque que ça n'agit que sur le loup. Et c'est excellent. Voilà, donc contraste, intensité lumineuse. Deuxième calque, éventuellement, qui va également être décalé avec la touche Alt. Ah oui, on peut en décaler plusieurs. Et celui-là va servir pour les couleurs. Voilà, amusant. OK. Donc voilà, on va faire des choses beaucoup plus poussées pendant la semaine. Donc essayez vraiment d'intégrer ceci pendant les 2 heures qui vont venir. Essayez d'intégrer ceci pour que ce soit des automatismes, parce qu'on va aller plus loin pendant la semaine. On va essayer d'aller plus loin au niveau des trucages photos.